Je ne sais pas comment séduire. Comment réussir à aborder une personne qui me plaît? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse à la fois aux hommes mais également aux femmes. On va parler de ce que vous ne pensez pas savoir faire. Vous ne pensez pas aujourd'hui savoir séduire, savoir aborder une personne qui vous plaît? Eh bien, détrompez-vous. On va vraiment briser vos fausses croyances et dans cette vidéo, vous allez apprendre à séduire sur vos qualités. Grâce à votre personnalité. Bonjour à tous, je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental et coach en épanouissement personnel. Et dans cette vidéo, je vais vous livrer des conseils, des astuces, mais surtout, je vais vous aider à passer à l'action. Si vous estimez aujourd'hui ne pas savoir séduire, c'est parce que vous êtes rempli de fausses croyances. Les fausses croyances, c'est le fait de vous dire « je ne peux pas plaire, je n'ai pas le droit d'aborder une personne qui me plaît, je vais la déranger, oh, je ne lui arrive pas à la cheville ». Voilà tout un tas de petites fausses croyances comme ça que vous avez et que lorsque vous croisez une personne qui vous plaît, vous vous dites « non, c'est pas pour moi ». Et donc, vous rentrez chez vous avec des regrets. Vous avez les épaules qui vont s'affaisser. Vous allez vous dire « oh là là, la prochaine fois, j'irai peut-être aborder ». Et la prochaine fois, vous allez toujours avoir le même schéma qui va se répéter parce que vous vous dévalorisez. Les fausses croyances partent de votre confiance en vous. Vous devez absolument aujourd'hui travailler sur votre personne. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous et passez à l'action pour le modifier. Vous n'aimez pas votre cravate ? Changez-la. Vous n'aimez pas votre coupe de cheveux? Allez chez le coiffeur. Vous voulez absolument modifier je ne sais quelle chose chez vous? Alors vous pouvez le faire. Pourquoi aujourd'hui vous ne pourriez pas être la personne de vos rêves? Pourquoi aujourd'hui vous ne pourriez pas être heureux ou heureuse? Parce que cette séduction, elle part principalement d'une boule de confiance, d'une envie de passer un bon moment, d'une envie de savoir ce qu'on donne, ce qu'on apporte aux autres. Et je veux que vous soyez concentrés sur ces éléments-là. La première étape pour savoir comment séduire, c'est d'oublier le résultat. On n'est pas là pour obtenir un numéro. On n'est pas là pour embrasser la personne. On est là pour passer un bon moment. On est là pour discuter. Et donc, le premier point, c'est même le seul point que vous devez retenir de cette vidéo. Intéressez-vous aux autres. Apprenez à savoir ce qui leur font vraiment vibrer, qui ils sont, comment ils sont, ce qu'ils font dans leur quotidien. Plus vous allez poser des questions, plus vous allez créer une alchimie, plus vous allez mettre de l'énergie et plus vous allez passer un bon moment. Alors, commencez par des personnes qui ne vous intimident pas, ok, c'est déjà très bien. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez que vous pouvez aborder n'importe quelle personne dans n'importe quel contexte parce que ce qui compte, c'est de profiter de la vie. Ce qui compte, c'est de mettre de l'énergie. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est de ne pas de rentrer chez soi et de se dire « oh là là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Vous avez tout pour séduire. Mais pas séduire au sens drague, séduire au sens charme, attirer, charisme. Si vous avez vraiment envie de passer à l'action, modifiez ce que vous n'aimez pas chez vous et puis sortez, rencontrez des gens, discutez, posez des questions. Vous verrez que c'est très simple de créer une alchimie. Il y a un bouquin d'ailleurs que je vous recommande qui est génial, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est l'un des bouquins les plus vendus au monde. Le titre est vraiment… C'est comme si on avait besoin de réapprendre dans nos relations sociales et c'est vrai, on n'a jamais appris dans nos relations sociales à être cool et agréable. Alors c'est inné, mais ça se travaille aussi. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir séduire, plaire en restant vous-même. Je vous invite à passer à l'action. Allez visiter mon site alexandrecormon.com. J'ai un dossier spécial réservé à la séduction, une catégorie où vous retrouverez plein d'articles, plein de situations qui vont vous aider à trouver cette confiance interne qui va vous aider à communiquer avec des gens, des inconnus, ce qui aujourd'hui vous fait peur. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des besoins, si vous avez envie de m'expliquer votre manque de confiance, laissez-moi un commentaire. Mais n'oubliez pas une chose. En vous abonnant à cette chaîne. En vous abonnant à cette chaîne, vous allez pouvoir obtenir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Plein d'astuces, plein de conseils pour votre vie sentimentale et votre bonheur personnel. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo coaching. Ciao, ciao les amis.